Depuis le début de la crise sanitaire, nombre de Mosellans souffrent. Les difficultés perdurent pour certains et le manque de perspectives est source d'angoisse, en particulier pour les jeunes. La Moselle garde espoir. C'est en tout cas le sens de l'engagement et de la mobilisation du département de la Moselle pour accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin. Le dispositif Moselle Espoir, un exemple concret ici à Folquemont. Voilà, je suis avec Pierre Blanchard, président de l'entente sportive Créange-Folquemont, tennis de table, Moselle Espoir, parce que c'est bien de cela dont il est question. C'est un soutien précieux, on le sait, pour le monde associatif, précieux pour votre club de tennis de table. Une aide à la reprise d'activité, en effet, tellement importante pour nous. Nous avons d'ailleurs sollicité l'aide du département à cet effet. Et nous avons même été un petit peu plus loin, parce que nous avons décidé d'innover un petit peu cette saison par rapport à nos pratiques habituelles. Notre gymnase, notre salle spécifique de tennis de table, parce que nous avons la chance d'en posséder une, était fermée toujours pendant les mois d'été, juillet, août. Et nous avons décidé cette année de l'ouvrir. Et pour cela, nous avons embauché un de nos jeunes en sollicitant les 400 jobs d'été du département de la Moselle. Voilà, je suis avec Arthur Trochim. Vous êtes salarié de l'entente sportive Créange-Folquemont tennis de table, cadre sportif. Arthur, vous intervenez évidemment presque au quotidien avec des jeunes et des moins jeunes. On peut rappeler aussi que vous encadrez l'action Moselle Sport Senior au sein de la résidence Sainte-Barbe à Folgevillers. Donc des activités physiques proposées aux seniors dans le but d'améliorer évidemment leur santé, leur bien-être, mais aussi peut-être rompre l'isolement. Et c'est important cette période. Encore plus aujourd'hui qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans, mais effectivement on intervient à Folgevillers, donc à la résidence Sainte-Barbe, pour des personnes âgées. Ça leur permet d'avoir une activité physique. Voilà, les bienfaits de l'activité physique, peut-être retrouver de l'équilibre, se sentir bien dans son corps durant la semaine, etc. Et c'est aussi un lien pour ces personnes-là, ça leur fait voir des intervenants extérieurs. Donc c'est vraiment utile et je pense que tout le monde y trouve son compte. Voilà, nous avons passé quelques heures ici à Folquemont. Le futur mérite un meilleur avenir. Le conseil départemental de la Moselle a souhaité insuffler à notre territoire et à chacun de ses habitants un souffle d'espoir qui aide à parcourir les tout derniers mètres de cette trop longue crise d'endurance sanitaire.